On a fait un resto avec Jess et Thibaut. Bon, on a passé une super soirée, on avait plein de choses à se raconter, mais c'était pas très bon. Bon, bref, c'est rare en plus, parce qu'à Dubaï, on mange très 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 bien. Mais là, franchement, c'était pas ouf du tout. Donc, on n'y retournera pas, ça c'est sûr. Mais du coup, bref, on rentre et tout. Enfin, on va pour rentrer, on attend la voiture au parking. Et en fait, d'un coup, je me suis sentie mais comme ça d'un coup. Alors, je parle avec Jess tranquille, on leur dit au revoir, bye bye. Et tout d'un coup, je me suis sentie hyper fou. Enfin, vraiment, je suis seule. En fait, j'allais tomber, quoi, clairement. J'arrivais à me ressentir ce moment. Donc, du coup, je me suis assise. Il y a une personne hyper gentille parce que tu es restée avec moi. Elle est allée chercher de l'eau, elle me l'a mis un peu sur le visage et tout. Donc, ça, je suis revenue un petit peu à mes esprits. Mais du coup, je pense que je vais aller faire une prise de sang. Voilà. Après, je vous ai dit, là, j'avais les cheveux, tu perdais un peu les cheveux. Bon, petit coucou par ici. J'ai fini mon rendez-vous. En anglais, c'était. Après, je parle anglais, mais bien sûr, il y a des choses où des fois c'est un peu plus compliqué. Je suis pas du tout bilingue comme Théo, par exemple. Parce que bah, du coup, j'ai toujours, même si j'ai vécu à l'étranger, jamais été vraiment dans un cadre de travail en anglais comme Théo, par exemple. Et donc, du coup, bah, voilà, franchement, je me suis grave améliorée. Vous savez, j'avais pris aussi les cours avec Babel. Du coup, il y a plein de tournures de phrases que j'ai appris comme ça, et que je parle mieux, on va dire. Mais des fois, j'arrive pas à m'exprimer vraiment comme je suis pas à 100% moi-même, on va dire. Mais en tout cas, je comprends tout. Et je sais me faire comprendre aussi. Des fois, je fais des fautes, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Mais en tout cas, c'est un exo. C'est pas la première fois que j'avais déjà fait. Mais c'est un exo voilà, qui est compliqué quand t'es pas vraiment bilingue. Mais en tout cas, c'est comme ça que t'apprends aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous raconter hier. Hier, on était au restaurant avec Jess et Thibaut. Là, je pense que je vais aller faire une prise de sang. En plus, je vous ai dit en ce moment, là, je perds un peu les cheveux. Donc, est-ce que c'est pas un manque de fer, quelque chose? Je vais aller faire quand même une prise de sang un petit peu poussée. Parce que là, d'un coup, comme ça, enfin, je vais manger. Est-ce que c'était malaise vagal? Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais pas bien, quoi. Bon, après, ça a duré pas longtemps, mais en tout cas, j'étais pas bien. Bref. Donc, je vais aller faire une prise de sang pour checker. C'est vrai que quand on me dit prise de sang, je suis pas très très bien, je dois vous dire. Mais j'étais assez piqûre. Mais je vais la faire. Je vais aller la faire là pour checker. Parce qu'en plus, j'avais mangé et tout, donc c'était pas ça. Je sais pas. Par contre, j'ai une question. Alors, aucun rapport, je vous explique. Vous savez que je suis sujette aux taches brunes. D'ailleurs, j'ai un masque de grossesse. Bon, là, ça fait très longtemps que je suis pas allée au soleil. Donc, franchement, il s'est bien atténué. J'avais utilisé aussi une crème huile qui avait très très bien marché. Mais c'est vrai que du moment où. Qui avait bien estompé mes taches. Mais c'est vrai que du moment où je retourne au soleil, ben, ça ressort un peu. Alors, moins qu'avant, mais quand même, ça ressort. Et voilà. Donc, bon, bref. Masque de grossesse, c'est une autre histoire. Moi, je voulais vous parler de celle-ci. Je vous explique. Vraiment, de toutes mes taches brunes, il y en a plein qui sont parties. Mais celle-ci, elle persévère. Avec les crèmes, quoi que ce soit. Enfin bref, elle persévère, elle est là. Et elle m'énerve un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que c'est un laser? Est-ce que c'est du peeling? Qu'est-ce qui pourrait, je sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait enlever cette tache et pas la faire? Parce que rien qui m'ont dit. Non, mais des fois, j'ai déjà fait le laser et ça a empiré. Voilà. Donc, bon, je sais qu'il faut pas trop aller au soleil. Mais voilà, savoir ce que je pourrais faire. Non, j'ai de nouveau une offre pour Ocean Apart. J'ai mis cet ensemble aujourd'hui. Je le trouve super joli. Je vous l'avais déjà montré. La brassière, elle est trop trop belle. Et le pantalon, hyper hyper agréable. Comme ça. Et en fait, vous avez moins de 30% sur tout le site dès l'achat d'un legging. Et les leggings chez Ocean Apart, ils sont ultra gainants. Ils sont push-up. Trop trop bien pour faire votre sport. Et juste, je vous remonte cet ensemble. C'était ma dernière commande. Et c'était leur nouvelle co. Mais cet ensemble, il est juste incroyable. La matière de ce pantalon est juste incroyable. Vraiment confort, plus, plus, plus. Donc, vous avez plein de modèles différents. Et le top, la brassière, elle est super jolie aussi. Vraiment, la couleur, elle est trop, trop belle. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est la première chose que tu fais. C'est grave quand même. Tu peux me dire combien tu. Let's go. Allez. Assieds-toi. Hop. Tu es content d'aller à la crèche?
tous les matins, je bois mon thé. Donc, c'est le thé cerise de chez Mini White. Et vous me demandez, vous pouvez le boire froid ou chaud, ça change pas, ça change pas les bienfaits. C'est juste quand il fait chaud et que c'est un petit peu l'été, je préfère le prendre froid. Il fait super beau aujourd'hui. Je pense qu'on va aller journée piscine, ça fait très très longtemps. Par contre, je suis contente quand même mes plantes, elles ont bien tenu. À part une là. Mais il y en a une, on l'a enlevée carrément. Mais ça va, ça a bien tenu du coup. Aujourd'hui, c'est journée plage. Petit outfit du jour.